souviens-tu, Marie? Te souviens-tu de ta première rencontre avec George Sand? Quel âge as-tu? 11 ans, Madame Sand, j'ai l'an sur 12. Comment t'appelles-tu? Marie Caillon, Madame Sand. Pour faire la différence avec Marie la cuisinière, on t'appellera Marie des Poules. Va pour Marie des Poules. Marie des Poules! Voici Monsieur Maurice, qui ressemble tant à Madame, sur qu'elle ne peut pas le renier. Il a une grâce, une élégance, dans le moindre de ses gestes. Tu es bien jolie. Il faut que je te pige. Monsieur Maurice. Mais quoi, non? Vous me faites rougir, et puis je vous ai pas permis. Mais ceux qui me chantent avec ta permission, j'en ai besoin d'aucune. La seconde fois où j'ai retrouvé la petite Marie des Poules dans sa chambre, elle s'est montrée moins farouche. Je me suis montrée moins farouche. C'est bon d'avoir à domicile une jolie fille qui vous accueille. Bon, j'ai un coucher à présent. Ah mais non, il n'en est pas question, non. Non, je vous emmène au bal. Tu parles mieux? Je perds donc petit à petit mon accent. Alors tu sais lire à présent? Juste un peu. J'aime comprendre. Je vais me fiancer. Tu dis rien? Il commode de posséder une jeune et jolie servante avec qui on peut manifoler sans crainte. On prend, on jette. Pourquoi s'embarrasser de sentiments? Pas qu'une telle liaison puisse perdurer. Je n'ai plus un gamin que garde. À 18 ans, je comprends qu'un fils de famille couche avec la bonne, mais à 39, il faut que ça cesse. Maman, il faut que ça cesse. Veux-tu casser ta réputation? Veux-tu casser la mienne?